Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Il est tout mignon, il veut se faire tirer, mais il était tout mignon. Putain, il est gore ce jeu. Oh putain, il va faire un truc moche au lieu de faire un truc mignon. Ça durera pas très longtemps. Tu lui ferais peur. Donc là on prend posé sur de la fille et on va essayer d'aller se faire le fameux cerf. Qui est passé par là, ok. On essaie de pas faire trop de bruit parce que il se trouve là-bas. En plus, il regarde vers nous. On va faire toute la forêt, hein. Continue d'avancer, de toute façon là on l'a touché. Ah, tu vois que là il perd son sang. Donc on l'a eu. Ouais, il perd vraiment son sang. Les traces ils vont par là-bas.
Merde, je l'avais pas vu. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je le vois pas. Parce que là, à ce stade-là, il va me falloir 10 flèches, hein. Je l'ai eu là. Quand tu vois les traces de sang, je l'ai eu quand même. Là, je sais pas, mais ça craint. Non, pas glauque du tout. Mais putain, il s'est bien barré loin, lui. Qui est là? Montrez-vous. On n'a pas entendu tirer, par contre. Hein. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Bien. On pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Je m'en plante une entre les deux yeux. Ce flacon de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi.
Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Je sais pas, j'ai pas trop confiance en ces personnes. Ça risque d'être long. Ça... Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid ? Prenez-le avec vous. Quand tu vois les détails et tout qu'ils ont fait sur les bestioles. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Et merde. Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok. J'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Défends les fenêtres. Ok. Ce truc. Donne-moi un coup de main. Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Normalement, je devrais déjà pu être là. Même de toute façon. Toujours, toujours, toujours. Rien par ici. Tiens,
Eh merde. Non, je suis dégageur. Allez, moi c'est bon pour aujourd'hui, je vais laisser, je finirai la suite la prochaine fois.